Patrick, je te présente Madame Loubier. Éléonore. Et, excusez-moi, La Vladimir. Ouais, Vladimir. Vladimir. Je m'appelle Victoire, je suis fleuriste et aussi sœur bénévole à la paroisse Saint-Joseph. C'est Jésus qui m'a guidée vers Marc et Jésus ne se trompe jamais. Sauf pour Judas. C'est vrai quoi, j'en peux plus là. C'est ce gros connard là, cette espèce de couille rabougrie. Comme des fromagers qui puent toute l'année. La beauté de cette demoiselle est, paraît-il, d'un éclat infiniment délicat et raffiné, mais... perdue au milieu de ces âmes si grossières, personne ne sait la distinguer. Alors j'en ai marre d'être abaissée tout le temps. Marre. Et après, quand il jouissait dans mes bras, il avait une espèce de petit cri, comme un petit mammifère qui découvre la vie. Vous avez détruit une voiture. Non, alors attendez, une voiture, je vous dis, c'était ma voiture aussi. Ils endossent aucune responsabilité. Alors t'inquiète pas, hein, moi je vais faire mon pitbull, je vais pas les lâcher. Alors là, c'est clair et net. M'occuper des papiers, des factures, des... Eh ben évidemment, mais pourquoi se gêner? Monsieur arrive les pieds sous la table, on se tape les factures, tout le travail, tout le sale boulot pour ce connard. Et puis après, à 50 ans, hop, on est jeté. Il faut que tu apprennes à manipuler ta mère. En plus, ça te servira pour plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Les zygomatiques. Je vois l'héroïne. Et je me demande... pointe tes doigts. Pourquoi Jésus-Christ n'aime pas les chats? Il est allergique? Parce qu'il est descendu parmi nous.